Ici, nous étudions les femmes pendant leur grossesse. On peut voir, ici, que 67% d'entre elles ne pratiquaient pas d'activité physique avant leur grossesse. Pour ce questionnaire, la majorité des personnes, des femmes qui ont répondu étaient à leur troisième trimestre. Sur 30 femmes qui ont répondu à ce questionnaire, on peut voir que 24 pratiquent le Pilates depuis leur premier trimestre. On peut aussi voir ici que cette pratique est assez intense pour elles. Comme précédemment vu sur le graphique, 67% d'entre elles ne pratiquaient pas de sport avant leur grossesse, ce qui peut expliquer que cette pratique est assez intense. On peut voir ici que pour la grande majorité, le Pilates aide à la réduction du stress et les femmes ont un sentiment d'accompagnement durant leur grossesse. L'aide au quotidien n'est pas très efficace et pour toutes les femmes, le Pilates procure un sentiment de bien-être. Pour le questionnaire des femmes qui ont accouché, nous n'avons eu que 16 réponses. Et on peut voir que pour 12 d'entre elles, elles ont continué les cours de Pilates après leur accouchement. Et on peut voir ici que pour 10 d'entre elles, elles ont vécu une grossesse plutôt facile. En adéquation avec le graphique précédent, on peut voir que le nombre de femmes qui ont pratiqué la rééducation du périnée est égal à celles qui ont pratiqué le Pilates après leur grossesse. On peut voir que les bénéfices de la rééducation périnéale sont pour la majorité d'entre elles un meilleur rapport au corps, une meilleure confiance en soi, une meilleure posture et pour toutes, une meilleure acquisition de la continence. Sur ce graphique, on peut voir qu'en majorité, les femmes pratiquent entre 9 et 12 cours de Pilates après leur accouchement dans le but de rééduquer leur périnée. Ce graphique représente le nombre de cours de Pilates par rapport au ressenti durant la grossesse. Ici, entouré en rouge, on peut voir que les femmes qui ont mal vécu leur grossesse, donc c'est-à-dire entre 4 et 5, n'ont fait que très peu de cours de Pilates après leur grossesse. Contrairement à en haut, donc les femmes qui ont bien vécu leur grossesse, entre 1 et 2, ont fait beaucoup plus de cours de Pilates. Donc ici 15 cours de Pilates, ici 7 cours de Pilates.